Céline Saffré, famille nombreuse, donne des nouvelles rassurantes. Sa fille a moché après une violente chute. Depuis sa participation à l'émission Famille nombreuse, La vie en XXL, la famille Saffré continue de partager son quotidien mouvementé sur les réseaux sociaux. En mai dernier, Céline Saffré avait annoncé qu'elle attendait un 9e enfant. La famille va s'agrandir. Notre 9e merveille est attendue pour décembre, avait-elle confié sur Instagram. Céline Saffré a finalement accouché le 7 décembre dernier. Nous sommes heureux que bébé soit venu agrandir notre famille en ce merveilleux jour du 7 décembre. Il a pointé le bout de son nez à 12h53. Maman et bébé sont en pleine forme, avait-elle écrit dans sa story Instagram. Merci infiniment pour vos messages par milliers. Vous me demandez beaucoup dans vos messages si les estimations de poids pour bébé étaient bonnes. Eh bien, le verdict est oui. Bébé est né aujourd'hui avec un poids de 3,9 kg et il a 15 jours d'avance. Autant dire qu'à terme, bébé aurait donc bien fait plus de 4 kg. Tant d'amour pour ce nouveau petit cœur qui vient agrandir notre famille, avait-elle ajouté. Quelques jours seulement après son accouchement, Céline Saffré a dû faire face à un événement qui aurait pu très mal finir. En effet, sa fille Adèle, âgée de 11 ans, a été victime d'un accident dans la cour de son école. Alors que ses abonnés s'inquiétaient pour la jeune fille, Céline Saffré a donné des nouvelles rassurantes. « Vous avez été encore très nombreux à demander des nouvelles d'Adèle. Elle va bien, même si je ne vous cache pas que mardi soir elle était très sonnée par l'impact qu'elle a pris. » Il faut forcément se dire que c'était tout à fait involontaire de la part de son copain, a-t-elle expliqué, avant de revenir sur les circonstances de l'accident. Son copain a couru. Il ne l'a pas vue et l'a percutée de plein fouet. Elle ne s'y attendait pas et s'est retrouvée projetée au sol. Son ami s'en voulait beaucoup parce que quand il l'a vue dans cet état-là, il a culpabilisé et il a beaucoup pleuré apparemment, donc on ne peut pas lui en vouloir, a-t-elle ajouté. Tout est bien qui finit bien.